Mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? Oh, y'a un gobelin. Mais t'as vu les cabis là? Ah oui, par contre là tu mettais. Ah non mon gars, là t'as une tête de cabis. Ah non, mais c'est de pire en pire. Oula, où ça va être du sale là? Ah, ils vont pondre dans toi. Oui. Ah bah, faut juste suicider et. Mais bien sûr, si on allait dans la tête de mort. Ah, eux, qu'est-ce qu'ils ont de spécial là? Je pense juste que du coup on va avoir les créatures qui nous suivent si jamais on se fait détecter. Bah nous on est pas après parce que de toute façon dès qu'on se fait détecter on meurt là. Rappelle-toi, ils ne peuvent pas nous voir. Ouais, bah. Ah, je crois hein, parce que. Parce qu'en fait on sait pas finalement. Peut-être que c'est. Ouais. En vrai, il y a un petit peu de pif dans toute cette histoire. Oh non! Je vais me foutre dans ce coin et puis on va prier gentiment. Ok. Le fait de ramasser des objets ne produit pas de bruit, heureusement. Elle est là. Donc il faut qu'on monte sur la petite plateforme mouillée. Mais si on se sert de la cage, est-ce que ça fera tant de bruit que ça, la cage? Non? Okay. Oui, il arrive l'insecte là. Enculé. Après, je passe par où moi pour. Bon par contre en célérité ce sera pas pour de suite les ouais, amis. Ouais non mais c'est un autre délire ça. Oh oh. C'est notre... Oh il a senti mon P là je pense. C'est pas ce que t'as fait mais c'était dégueulasse. Mais comment t'es passé toi? Mais je t'ai dit tu sautes sur la cage et tu montes. Mais par contre... Ouais. Ah, elle m'a fait tellement peur la dame là. Ah d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut monter sur la caisse puis monter là, ok. Je vais juste attendre qu'elle s'en aille la dame là. Juste attendre que la dame s'en aille. Ah, techniquement là c'est good. Et là il suffit juste de hop. Ah oui. Hop, voilà. Là on fait gaffe en s'approchant parce que piège à con. Ah. Ça nous est déjà arrivé. On va profiter pour chourer un truc ou deux. Oh, j'ai récupéré une tablette. Il y a plein de minerais de fer et plein de trucs. Mais vas-y, wesh, putain, lâche un truc. Putain, pas vrai ça. C'est pour ça que notre espèce elle meurt, turnip, les gobelins. Là. Aucune solidarité. C'est ça. Alors, là ça. Non, si ça se fait. Tu sautes. Ouais. Ah. Ah, c'est une cheville fragile, hein. Mais très fragile, parce que t'as vu de où on a sauté. Putain, tu m'as fait peur. T'inquiète, je gère. Il me reste 6 secondes avant de réapparaître. Reste frais. Je suis frais, là. Ok. Tout serait frais, là. Ah, on est frais, mais il va falloir bouger son boule, là. Pour de vrai, hein. Je tente un truc. J'y crois. Hein. Ouais, moi aussi je te suis là. Là. Sur ce coup-là, je te suis. D'habitude, je te suivrais pas trop, mais là, je te suis grave. on va en profiter. On prend ça. Et hop, petit trou. Toujours aller dans le petit trou. Ah non, on retourne dans les cavernes pourrites là. Mais oui, mais il faut s'emparer du quartz, t'as pas compris. Ah, on peut pas longer plus. Montez, moi, bah les couilles. Il y a un mec, hein. Ouais, et alors? Ah, mais toi, tu montes carrément? Bah, je vais voir ce qu'il y a en haut. Il y a encore une dame. De renfort sympathique. Non. Et oui, qui c'est qui a failli se faire voir? Éternique. Ouais, non, alors là, c'est vraiment le faux plan, là, ce que je suis en train de tenter. Hein. Donne-moi donc. C'est vrai que si nous pouvions gobliner, la vie serait plus simple. Non, on a dit pas de goblinage. Tiens, retiens-toi. Je sais que c'est tentant. Tu te dis, c'est dommage parce qu'il sait pas du tout ce qui va lui arriver. Alors que nous, on sait qu'il va se faire gobliner.
j'ai envie de là. Ah oui, mais au bout d'un moment. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris l'idée. Faut se laisser tomber. Ah non. Ah non, non, tu peux pas te laisser tomber, il va falloir faire le tour. Casse-toi, juste. Oh. Ah, je vais passer comme ça, tant pis. T'es où? Comment t'as fait là? Ah oui, bien vu, mais d'accord, faut remonter. Ok, non, c'est faisable. Faut juste que bah, tout le monde se barre déjà. Bah non, mais du coup, j'ai ressauté après en bas tout à l'heure. Parce qu'en fait, là, tu peux descendre par là. Ok. Bien passé. Non, mais il reste encore 45 mètres et on est en train de transpirer comme des ânes pour faire 200 mètres quoi. Ok, y'a un mec qui a eu, je sais pas, qui me voit à travers les murs visible. Putain, y'a ma cul de gobelin qui m'a fait faire tomber. Non, mais ça c'est normal, y'a beaucoup de cul de gobelin dans la région. Non, ouais, mais pourquoi ils ont des petits cabines de compagnie là? Mais pourquoi pas, c'est comme un chat hein, finalement. Non mais c'est bon, moi je suis saoulé là. Il nous empêche de les faire. Attends, faut que j'arrive à me repositionner, ça devrait le faire. Je sais pas de mon côté là. Voilà. Voilà, il y a des gens qui t'ont vu là. Hein. Non, absolument pas. Si, si, ils t'ont vu là. Voilà. Ah, ils savent plus où je suis là. Un ninja, je te dis. Un ninja. Ninja. Il suffit juste que je fasse. Moi j'en profite pour m'infiltrer. À ma façon. J'ai aucune idée de comment j'ai fait pour réussir à m'en sortir. Just when I needed a tunnel. Later we will slaughter you. Putain. Mais j'ai réussi ou oh. Bien joué. Il y a Shogat. Ah vas-y, je veux voir Shogat. Ouais, mais t'es encore à 34 mètres. Ouais, je t'attends, de toute façon, tant que je suis dans mon petit trou, il peut rien me faire. Comment t'es là, Jean? Attends, je faisais Georges de la jungle, là, hop. Après toi t'as glissé, t'as fait quoi là? Alors en fait il faut que tu te serves du... Oui sur l'espèce de truc à gauche, sur ta droite pardon. Tu sautes, t'avances, tu passes pendant que Guitrude est en train de passer là-bas, et tu viens vers moi, tu vas pas à la porte hein. Tu montes direct. Non ça se fait en fait. Non mais j'aurais pas eu la pression des gens qui m'avaient vu, en vrai ça se passait. Oh putain. Ah t'as vu? Il a de beaux yeux. Ah, il est horrible. Tu sais, ça se trouve, il pense la même chose de nous. Hein. On dirait un ver solitaire, mais je sais. Non, dans StarCraft, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Bertrand. Pour StarCraft, il s'appelle assez peu Bertrand. Monsieur. Oh. Mais en plus, mais c'est pas des poignards qu'ils ont, c'est des arbalètes. Où est ma zone? Quoi? These rails lead all the way down. Maybe if I avoid getting lost. Ah non, je croyais qu'il... Voilà, ça fait être le décès d'un gobelin. Tu vois bien. Oh, y'a du monde de là. Oui, on va passer par le petit trou là. Ouais, franchement, on s'en sort pas si mal quand même. Ouais, alors tu sais très bien ce qui se passe quand tu sors des trous. Agréablement surpris par notre talent. Ouais, bah, dis ça à la bébête qui arrive pile sur nous là. Vous ne voyez pas là. Des ninjas. In any case, no need to worry for Lakima.
réserver une interception là. Tout va bien. Non, c'est bon. Moi aussi je croyais qu'il allait tourner parce qu'il y avait la fumée. Ah, on va pouvoir respirer les turnips. Ah bon? Oui. Ah. On se peut pas respirer du tout! Ah, si, si, là, tu es caché? Je respire super bien là. Ah, en bouffée d'oxygène là. Je crois qu'il va se passer un truc là. Je vais essayer de te sauver la niche. Non, tu peux pas parce que là je vais me faire latter les couilles. Tu t'es fait latter ou pas? Oui, je me suis fait latter. Dommage. Parce que j'étais prêt à détacher la cloche d'alarme rien que pour toi. Mais dis pas que c'est encore Didoumel qui a parié 10 balles sur moi. Non mais va jouer à la roulette ou je sais pas, fais un truc Didoumel. Tu peux être riche ce soir. Moi? Si, c'était Didoumel encore. Putain, mais elle voit l'avenir. Voit le turfu, elle a compris notre pattern qui est pas du tout fait exprès. Mais elle regarde contre qui a le plus de points et elle vote l'autre. Dernier, je vois pas la quête. C'est pas où qu'il faut aller. Bon bah pas de temps. Mais c'est horrible là, il y a 30 000 personnes. On va rien tenter du tout. Je vais dire pas tenter. Il y a 3 abeilles là. Oui, et puis ça, on est allergique visiblement au jus de cul d'abeille. Okay. On a plus le... Je sais pas où il faut aller du coup. Ah si, là, trouver l'antre, ok. Ah bien joué. Ok, monsieur game design, si le dieu du game design, si vous m'entendez, il va falloir nous donner un petit coup de pouce. Je viendrais bien te rejoindre, mais il y a genre un homme et son chien là qui se promènent. Ouais, il y a des jours comme ça. Waouh, hein. Mais c'est quoi ce peuple là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Toi? Bon, j'annonce mon décès dans quelques secondes, hein, quand même. Mais non. Oh, si. Oh, si, je l'annonce très clairement, là. Je peux pas me cacher. Oh, je suis... Non, faut pas me suivre, parce que là, on est grave fucked, là. Ah ouais? Ah oui. Tu m'as pas vu, toi. Hein. Tu vas pas regarder de façon complètement random dans ce coffre? Qu'est-ce que ça t'apporterait, connasse? J'ai l'impression que je vais me faire insulter par un coffre. Je vais aller regarder dedans. Et comment on fait pour que elle dégage là? Laquelle? Celle qui est juste à droite de la jarre là, t'es pas parti. Juste à droite de la jarre. De la jarre où je suis planqué là. Pas où je suis pas planqué du tout. Hein, de la jarre. Ah oui, non, d'accord. Ah oui. Ah, c'est problème ça. Hein. Ça, c'est pas je vais facile, tourner dans là. Mon coffre et puis je vais mourir dedans de ma belle mort, je pense. Je pense qu'on va tous mourir de vieillesse ce soir. Ici et si... Et si... Ah non. Ouais. Oh, je sais ce que je vais faire. Oh. Je sais pas ce que tu vas faire, mais faut pas le faire maintenant. Okay. S'il faut pas combiner. J'attends qu'elle se barre déjà. Ensuite, je sors. Je bois ma potion. Je retourne dans mon coffre. Attends, t'as entendu quoi? Ma poche. Non. Je retourne dans mon coffre, m'en bats les couilles. Hop là, c'est mon coffre préféré. Très bien dedans. Est-ce que je peux pas envoyer genre ça là? Oui, si tu peux. Ah ouais, là ils ont pas aimé, là, clairement. Oh non, je sens que je vais me faire gobliner là. Mais je vois pas comment passer. J'ai plus d'ambre, moi je suis mort en fait. Si tu fais flèche du bas et Y. Je me suis trompé de tout. Pardon. Non, pardon. Oh non. Je voulais pas siffler, je me suis trompé de bouton. Mais tu sais qu'elle va venir chercher dans ton petit coffre nul, regarde elle là. Non. Le mec il est... Ouais, j'ai mis malencontreusement mes doigts dans la bouche et j'ai soufflé, mais vraiment pas exprès les gars. Faut pas être si vénère. Mais elle là à droite, je vois pas en fait. Bah moi je vais y aller invisible en fait. Bah oui, je sais, mais moi j'avais plus d'ambre. Et si tu fais flèche du bas Y, normalement t'as, je pense, je suis sûr que t'as de l'ambre de rab.
Elle est partie en plus. Voilà. Non, non, elle est là. Hein. Ouais, non. Non, c'est scandaleux là. T'as vu? Non. Je t'ai pas vu. Oh. Ah oui non mais oh. Ah oui mais il y a lui là. Mettez-nous 15 000 ennemis différents nouveaux dans la même mission. La mission où on se décide d'être justement pacifique. Oh là. Non. Mais lui en plus il nous attrape à mon avis. Il se torche le cul avec notre visage. Hein. Je pense qu'il va nous plier en deux. Et puis voilà hein. On va pas avoir le choix. Enfin je vais au bout d'avant. Il fait une toute petite ronde en fait. Mais le mec, sa ronde elle est tellement ridicule qu'il pourrait juste s'asseoir quelque part et tourner la tête et il verrait la même chose. C'est vraiment, il se fatigue pour rien le gars. Bon, ça va, ça a pas l'air d'avoir une vision non plus de ouf hein, quand même. Enfin, là il te regarde quand même. Puis là il t'a vu là. Et puis là tu l'as énervé. Non, oh non. Aïe. Oh mon dieu. C'était du 72 ça. Il s'est chaussé avec toi. C'est drôle tout ça. Bon par contre du coup ça nous donne pas trop la solution. Mais par contre c'est un moment il m'a attrapé par les deux pieds. J'ai vraiment cru qu'il allait faire ce que t'as dit. Et là je me suis vraiment pas senti très bien. Il allait servir de toi comme du bitoufle. Non pas du bitoufle. Et les mi-gobelins, mi-bitoufles. Oh merde. Ils reviennent. Oula. Ah oui, ils reviennent toujours. Mais bouge là, putain, t'en dis. Putain. Non, mais... Attends, moi j'ai déjà goûté, c'est bon. Comment tu fais la roulade dans ce jeu de merde déjà? LT. RT. Non, RB. RB. Oh putain. C'est de la merde ce que tu racontes. Ah, c'est pas par là. Hein. Ok. Mais ça me dit pas par où on passe là. Je sais pas, il y a l'impression qu'il y a un interrupteur là sur lequel il faut appuyer. Ah bon? Vas-y, appuie sur l'interrupteur, on va interrupter. Ah oui, oui t'as raison. Par contre, la roulade, ça fait du mal. Y'a plus discret hein, comme ouverture de porte. Oh je crois qu'on est bon, je crois qu'on est bon. Vas-y cours cours cours, ça va me charger. Ah bah ils nous l'ont fait hein. Ouais, bon on va passer par là, oulala, là, là, oulala, c'était difficile. Mais enfin pire système de sécurité de l'histoire quand même, la porte fermée avec un trou béant à côté. Ah. Ça m'a pas téléporté du tout. C'est creepy ça. Ok, y a de l'alchimie. Compétences. C'est rarement rassurant ce genre de choses. Une salle de boss ou quoi? Il y a des boss, tu crois, déjà? Gueule d'ambre. Ah oui, on va se faire un papaouter. Ah non, pas encore. Blocked again. Ah oui, ça pue l'alchimie. Hein. Ah, compétences. Ah, attends, on va peut-être en profiter. Hein. Ah, j'ai pas regardé, moi j'attends la fin de la mission. Ah, moi je pense. On nous donne tous nos cadeaux. Ouais, remarque un peu tard. Parce qu'en plus, ça se trouve, selon le niveau. Je peux faire de l'artisanat. Je peux toujours pas créer mes fioles d'armes. Je t'ai pas laissé le choix. C'est pas grave. Ah non, on va devoir s'infiltrer de ce gros monstre. You who transforms the quartz. Now that is interesting. Ah, oh, come on, come on. Oh. Ah, la session en taille. Oh shit. Programmé. Les petits tentacules. Ah ouais, non mais ça fait trop peur ça. Ça oh bah. Ah, c'était trop con ça.
precious. Oh. La vache. Et comment on va lui voler ça là? I think that piece of quartz has my name on it, Buggy. Time to die. Mm-hmm. Tu crois qu'il va falloir couper les faisceaux et sans se faire voir, sinon il nous mange? Je sais pas, mais je pense faire du malaxage de noix en règle là. Oh! Ah oui, non, mais d'accord, le mec, s'il a juste un barrage d'artillerie, comme ça c'est plus simple. Ouais, d'accord, mais alors j'ai mis. Les dégâts? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire là? C'est juste des petits doublards, hein. Mais c'est pas possible! Bon, on va arrêter la prédiction pour cette scène là, sinon je vais pas arrêter, je pense. Ah oui, d'accord, ça, donc ça tue. Vous en sortez un peu trop bien selon nos goûts. Bah oui, mais bah écoute, boss qui fait des tirs d'artillerie version Dawn of War, ça passe. Là, ça va être délicat. Là. Non, mais en fait, faut rejoindre l'endroit où tu vois les quatre faisceaux et à mon avis, faut péter les cristaux pour l'endommager. Mais... Oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord. C'est pas l'objectif hein, qui me paraît mais c'est difficile facile, à comprendre. Turnip. Le fait qu'on a une espèce de. Ah, tu veux dire qu'on a pas de barre de vie que ce fait OS? Ah oui, c'est vrai que ça. Être ça aussi. C'est vrai qu'il faut perfect la zone. Oui, sachant que la zone est piégée. Hein. Des gros nanas. Quoi? Ah, on peut peut-être passer, oui. Hein. Oui, on la connaît. Hein. Et on va la voir à mon avis un peu souvent. Est-ce que tu sens que c'est un one shot ou pas? Bon, j'ai trouvé un chemin. Hein. Hop, il ne s'arrête pas le machin. C'est. Ah, c'est un flux continu. Hein, ok. Concrètement, je pensais faire comment là? Ah oui, non, mais on en est là. Bah, c'est pas possible. Quoi? C'est quoi ce mais si tu meurs, je meurs aussi. Voilà. Bah, non, parce que tout à l'heure, j'étais pas mort quand t'étais mort. Ou l'inverse, je sais plus. Non, t'es mort après que je sois mort. D'accord, donc il faut rester caché, d'accord, ok. Je croyais avoir trouvé un chemin sur la droite. Moi sur la gauche, je pense avoir trouvé un chemin, mais il y a le truc qui se spammait en fait. Oui, ça a l'air d'être... Ça va être délicat, hein. Et puis on a des potions de vie, en absolu. Hein, mais comme on est tellement des chips, je suis même pas sûr que ça change quoi que ce soit au blême en fait. Bah dans le loot, je vais en boire une, allez. Non, d'abord tu vomis. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, pas pareil. Je trace. Tu pars à droite. Ouais, je pars à droite, je tente à droite. Voilà, très bien. Il s'arrête pas de tirer, il s'en bat les couilles. Ah, il a aussi une petite tentacule pour nous fouetter un petit peu le bout du blanc là, t'as pas de problème, t'as un lap là. Oh là là. Ah oui, puis il a aussi un petit crachat de flamme. Ouais, c'est comme ça que je me suis fait dessus. Concrètement, il pense qu'il va se passer quoi là, les gens? Bon, ça je peux péter. Oh, mais j'ai un laps de temps hyper short. Ok, j'en ai fait un. Pas loin d'en faire un, ça se pète vite ou pas? Ça va, ouais, en 3 secondes. Ok, c'est bon, j'en ai pété un moi aussi. Un deuxième. Et t'as vu, je pense qu'il veut te gerber dessus. Ah ouais, il est en mode de. Oh! Je te l'ai esquivé le machin. Oh! Ok, j'en ai fait 3 ou 4 en haut. Oh non! Ouais, donc c'est pas mal d'avoir un peu de vie. Bah là, il me gerbe dessus, donc éclate toi hein, si t'as des trucs à faire. Il essaie encore de me tuer là. Hein. Il y en a en bas là, il peut pas être facile à atteindre. Faut pas se mentir, ça va pas être facile. Ouais, bien joué, je peux en faire un aussi.
Ouais, non, il me fait cuire sans fourrer. Oui, oui, il fait chaud, hein. Putain, j'avoue que ceux qui sont en bas, ça tape. J'en bois une autre potion. Il fait chier avec ses petits yeux verts là, parce qu'en plus, ça laisse un gaz à la con, hein. Je le sens bien. Ah non! Qu'est-ce que ça fait? C'est bon, j'en ai eu un en bas. Fais gaffe, le tentacule, il va essayer de te tentaculer là. Mais ouais, mais j'ai pas d'endroit où me planquer. Oh là là. Je suis pile en face. Je vois pas où est le dernier faisceau par contre. Si, mais il est genre bien caché cet enfoiré. Il est en bas, caché. Comment tu fais pour aller en sous-sol là? Parce que c'est ça le but du jeu là. Je pense sous-sol, je le vois, il est là, mais je vais me faire défoncer en fait. Non, non, mais je vais pouvoir y aller. Ah ouais? Parce que là, il me balance tout ce qu'il a, le gars. Hein. Mais c'est moi, je vais dessus. C'est bon. Il me chie dans la bouche, le mec. Il me saoule. Bien joué. Sans parler, oh, ça. Oh, vas-y, qu'est-ce qu'on va se mettre bien? Oh, il y a des bombes. Non, faut pas exploser sur les mines là, puis ce sera un peu con. En fait, je veux pas attendre, faut juste tracer en fait. Ah putain, non, non. Dis-moi qu'il non. veut pas se le retaper. Non, on a eu le PC, c'est garde. Bon. C'est l'histoire de notre vie, ça. C'est bon, on a battu le boss final, au moment de récupérer la compétence, c'est une merde de chien. Si jamais tu glisses dessus, tu baisses directement la nuque et nous on tombe dessus. Oh non. Oh, oh my, oh mais non, c'est bâtard. Non. Bon, on a compris un peu comment il fonctionnait, ça devrait bien se passer. Non, non. Moi je suis en attente de l'hôte, hein. Initialisation des profils. Moi je suis en attente du client. Mais... je suis un peu triste quand même. Bon, en plus le jeu est en train de planter. Ah oui. Il n'a pas compris le jeu, ce qui s'est passé. Je peux faire reprendre. Faut être patient, quoi. On attend du client, initialisation des profils. Bon, ça initialise les profils. Non, quand tu fais pause, tu vois nos persos. Ouais. Oh, c'est marrant. Je pense qu'il a planté le loup. Je fais charger la dernière partie, on voit ce qui se passe. Ouais, je pense que de toute façon on revient là où on était. Qu'est-ce que je suis une nouvelle sauvegarde. Voilà. 25% du jeu. Ah, d'accord. Ah, ça charge. Mais c'est que j'ai relancé une sauvegarde. Bah, j'ai fait charger la dernière partie. GG, bien joué pour la mine. Oui, merci. Mais si, c'est très bien, c'est un très bon moment. Très sympa, très très sympa. Bon, c'est bon, on revient là. Ok, bon, cette fois-ci, pas de plantage. Ah, bah en fait, le truc est ouvert. Ah, mais c'est bon. Il tire ou pas? Oui, oh, il tire, oui. Pile sur moi le mec hein. Je bois un petit coup de jaja. Et faut pas que je prenne une potion aussi. Bah comme moi hein. En plein dans ma gueule là. Non, moi je vais aller côté gauche. J'ai peur qu'on ait un peu la chance du débutant là tout à l'heure. Non, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, Jimmy, c'est que ça va le faire. Non. On a téléchargé le boss. Il y a du gaz qui pue. Alors, j'ai tenté un truc un peu foufou là. Oh là, je fais un peu mon foufou là. Moi si je t'en mets un, allez, vas-y, c'est parti, on enchaîne là, on speedrun le boss. Ah, j'ai pissé. Ah mince. Hop là. Speedrun, m'en bats les couilles. Allez, hop là, je fais des roulades dans ton gerbi. Voilà.
suis fait glisser là. Thomas Fiol. Quoi? Non! C'est un sniper le mec! Ah, il a gravé dans la roche direct. Il cherche. Il rate pas une opportunité. Je sais pas remonter, peut-être c'était mieux en haut. Clairement pas, là, je viens de cuire là, gentiment. C'est un échec, je viens de décéder. Ah! Il faut me décider, voilà, attends un peu. Ouais, reste caché gros. On va s'assurer un peu le jeu là. Hein. T'en avais, hein, je vais venir au bout d'un moment. On ne voit pas comment faire là en fait. Comme ça! Ori! Oh! Dégueulasse. Oh non, c'est bâtard! Ah non! Ah, c'est très méchant ça. Ouais, ça c'était vraiment dur en mon animation, c'est moche. Tu retournes, tu retentes! Tente, ouais, méchant. En plus, pour moi, il était pété mais là! Mais non! Mais il est pété là! Putain! Il me saoule le truc là! La prochaine, je le tente. Une fois que je t'ai vomi. Vous arrivez dans ce live à ce moment-là, tout est normal, tout est maîtrisé. J'y vais, j'y vais. Ok. C'est parce qu'en fait j'ai plus de vie. Mais putain! Mais non! Putain! Le truc il arrive, il te voit arriver. Bon, sans potion de soin, c'est pas possible. Ouais. Mais c'est surtout, enfin, en solo, tu le fais comment ce truc si tu t'as pas le temps? Ah si, faut, si j'ai compris, faut bait une attaque. Et après y aller. Ouais. Ouais mais attention, c'est, tu bait une attaque de corps à corps. Parce que ces attaques, ces projectiles, à mon avis, sont corps actifs. Mmh. Attends, du coup, la porte reste ouverte, ça c'est cool ça. Je vais pas faire compétence, mais je vais faire la petite danse où je peux faire une fiole de soin. Voilà. Bon, voilà, je me suis fait 3 fioles de soin, ça doit bien se passer. On va y arriver. Allez. Il est sur toi ou pas là? Ouais, il est sur moi là. Ah, j'attends que sa fumée verte. Tu dis quand il te fait des trucs. Ah, il me fait des trucs là. Ok. C'est bon, j'ai pu en briser un. Oh, j'arrive pas à remonter sur là où j'étais. J'ai pris des petits picots dans le cul. Ah non! Mais non, pourquoi il y a des créatures de merde là? Je m'attendais pas vraiment à un combat comme ça dans ce jeu. Mais c'est bien, il est surprenant. Hein. Ouais. Fais gaffe, je suis décédé. Hein. Je suis reparti pour me vraiment infiler une petite potion. Et ouais, direct en petit. Bon, maintenant faut descendre. Là, ça va. Hop. J'aime pas ce jeu. Ouah ! Ah, il me balance tout ce qu'il a le mec là. Ouais.
c'est que j'ai chu, donc je suis mort. Ah bon? Je suis navré. Ouais, t'as pas de mal. Mais toutes les gondoles. Les gondoles. Comment je vais faire exactement? Et putain! J'ai buté? Non, pas encore, ça va un peu tarder, mais là les tentacules piquent. J'en ai une. J'ai eu celle aussi à droite. Il y en a une à gauche qui reste là. Je sais pas si je vais réussir à la choper, ça va, je peux prendre une. Ah, celle en haut à gauche là. Comment on y va? Bah, je sais pas comment on y va là. C'est pas tout ce que j'avais fait tout à l'heure celle-là? Bah, des fois je fais des trucs, je sais pas toujours comment je vais faire. J'étais en transe. Total. Ah oui d'accord, c'est parce que t'as un bug de graphisme en fait. Ah bon, tu passes à travers la grosse tentacule, ouais. Ah. Et la dernière elle est où? Non, ça a pas compté. Ah, ça a pas compté. Pourquoi? Je suis vert. On a un bug? Non, elle est là. Ah ouais, elle est là. Ah oui d'accord. Ok. Mais putain! Mais putain! Mais non, mais bug de merde! Qu'est-ce qui se passe? Mais je me fais enchaîner par les tentacules alors que je suis en train d'ouvrir le truc! Comment je l'ai eu? Heureusement qu'il y a l'invisibilité! C'est clair! Bon, alors là, on. Attends, j'y vais en premier! Mais je pense que c'est trop. Je fais courir comme un bâtard! Ah oui d'accord. Ah c'est qu'il y a des petits œufs qui nous poursuivent après. Oui, oui c'est ça. I'm hearing voices again. A goblin has killed the queen. Oh, a goblin. A scary goblin. A talking goblin has killed the queen. Ah shit, maybe I should have kept my mouth shut. Ah bah disons qu'on va être connu hein. Ah parce qu'ils parlent pas les gobelins non. Les gobelins non, pas trop. Clémence plus 50 PC, voilà on s'est fait chier pour ça. Eh hey, on a quand même du bronze, or hein, d'habitude on a rien. Non, d'habitude on a juste meurtre, mort. C'était pas mal. Eh ouais. Oh c'est pas mal le jouer en Clémence en fait. Ouais. En général tu prends moins de risques. Bah oui. Ça dépend les endroits, mais dans l'ensemble tu prends moins de risques parce que des fois t'es tellement tenté de voir gobliner quelqu'un que tu te dis allez, je le gobline pas. Ah, on est revenu dans le lobby. Tu veux bien me vomir d'abord avant de faire tes trucs? Oh, t'as vomi sur la table d'alchimie, tout va avoir un goût maintenant. Ah bah oui, hein, ça va être un petit goût de reviens-y. Alors, pistage. C'était quoi ces trucs? 740 points. Non, ça fait du bien là. Ouais. Bah. Ah, mais du coup, la furtivité il te pousse à assassiner quand même. Ouais. C'est un peu con. Donc, toi, pour se faire un build sans tuer, ça devient très vite échelon du coup. Bah, ouais, ça devient très pourri. Ouais. Ah non, par contre ta focalisation là, qui est pas mal hein, parce que vision d'homme permet d'entendre distinctement les bruits de pas des ennemis et de les visualiser à travers les murs. Ça je l'ai déjà ça. Ah. Ah ouais. Ouais. Ok. Assez. Ah. Bon bah j'ai fait fond perception. Voilà. J'ai plus que 5 points. C'est pauvre. T'as une spécialisation de combattant aguerri qui est débloquable. Qu'est-ce que ça peut bien. Lorsque Styx reçoit un projectile, il a 50% de chance de l'esquiver. Devenant. Mais il me le faut ça. Il me le faut.
pas te mentir, y a rien qui sert à que vous soit. Ouais, il faut que je débloque toutes les cases, ouais, mais c'est que ça coûte cher de débloquer toutes les cases. Renforcer le pouvoir d'invisibilité. Ah, franchement, il faudrait que j'aille vers ça, je pense. Durant l'invisibilité, il est donc possible d'assassiner violemment un ennemi sans le moindre bruit. Sympa. Ah oui, après tu peux... Tu pars vraiment assassin, quoi. Vraiment fait pour faire du mal. J'ai pas assez de points de compétences. Quand tu parles de quartz, mais à quoi ils servent les quartz? Eh ben à débloquer les compétences ultimes. Ah, le dernier. Plein de points de compétences lorsque... Ah, t'es carrément en train à la fin, quand t'es invisible, t'es immatériel, les mecs ils peuvent même pas te toucher. On se perce tout le monde. Ah, je viens de tilter que le petit point blanc à côté de notre barre d'ambre, en fait c'est notre. C'est le bruit qu'on fait? Non, c'est quoi? Ah oui. Ça a l'air d'être ça en plus, t'as raison. C'est le point blanc, c'est que tu es à mon avis dans la lumière. Et voilà, c'est ça. Oh. Et si y a... Ah putain. Wouah! Wow. C'est maintenant qu'on a compris ça, attention! Il y a deux minutes! Styx! Every god in the city is looking for you! Ah bah écoute, dis-toi que pour une fois on a gobliné personne! Ouais, juste une grosse reine moche! Thanks to you, the airships are confined to docks! All takeoffs are forbidden! They're searching them one by one and they'll find you if you stay here. You gotta help me get out of here. I kept my part of the bargain. I haven't forgotten, Styx. Take off your clothes and get in this cage. Thanks for the offer, but you're not really my type. I've heard the Goblin prison leads to Wildran, the Hunter's village. The foot of Corringar. I can use my uniform to get you in there and help you find your way to the outside. Oh, great idea. Stark naked in a place filled with guards. Come up with that on your own. Listen to me. If you want to get out, it's your only option. From the prison command post, I could open a passage. Oh, tu veux nous mettre tout nu parce que t'as envie de voir comment on est, hein? Put it in the chest. Coquine. That will allow you to escape to Wildran. Sounds like a horrible plan. So let's do it. It's not like I got any better ideas. Bah, go dans la cage, hein. Ah oui, d'accord, on est obligé de crocheter la cage pour pouvoir y rentrer. Ouais, c'est... Elle te laisse vraiment te démerder jusqu'au bout, là. C'est ça. J'ai une idée, il faut que tu te mettes à poil et que tu te mettes dans la cage, tu te fous de ma gueule. Ouais, et puis pour pouvoir rentrer dans la cage, il faudra que tu crochettes, tu te fous vraiment de ma gueule. Un petit peu.